Something I've never seen before. When I want pizza, it's a fruit and you. Oh mon Dieu, je ne pouvais jamais imaginer qu'un concombre puisse faire tout ceci. Les bienfaits du concombre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mes amours. Je suis Suzanne et vous êtes bel et bien sur ma chaîne YouTube Au cœur du bien-être. Oui, bien sûr, mes amours. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette belle communauté Au cœur du bien-être, mes chéris, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner. Bien sûr, activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos où nous mettons minimum une vidéo en ligne chaque jour. Oui, bien sûr, mes chéris, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous souhaitez revoir plusieurs d'autres vidéos Au cœur du bien-être, rassurez-vous d'être abonné ici en bas sur le bouton rouge s'abonner et rassurez-vous que la clochette de notification est activée. Ensuite, rassurez-vous que le j'aime est activé, vous avez effectivement liké, et allez juste en bas, en dessous de la vidéo, sous le lien qui est juste en dessous. Regardez toutes nos vidéos ici, cliquez sur le lien, ensuite vous aurez la possibilité de voir toutes les vidéos Au cœur du bien-être, une après une. Donc mes amours, sans plus tarder, let's go. La réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine la gueule noire. On ne les calcule pas, tu as la grâce et Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Coucou mes amours, nous aurons besoin tout d'abord de très bien nettoyer nos concombres afin de se rassurer de l'avoir débarrassé des éventuels pesticides, insecticides que nous trouvons de nos jours sur nos différents légumes. Je vous conseille de prendre du bicarbonate de soude. Oui mes chéris, vous allez prendre du bicarbonate de soude dans votre paume de main comme ceci. Vous allez prendre votre concombre, vous allez vraiment frotter sur le concombre pour vraiment le nettoyer à fond mes chéris. Comme premier avantage, le concombre c'est un diurétique naturel. L'eau contenue majoritairement dans ce fruit renferme d'importants minéraux et oligo-éléments. Ainsi, sa haute teneur en potassium associée à son faible taux de sodium en fait un allié idéal pour éliminer les toxines et l'excès d'eau dans l'organisme. Idéal pour ceux qui ont les problèmes de rétention d'eau, les pieds qui sont enflés, les femmes enceintes, les gens qui sont en surpoids. Consommé régulièrement, il est excellent draineur et favorise la dissolution des calculs rénaux. Ah oui, oui, oui. Le concombre comme deuxième avantage, il a également les propriétés cardiovasculaires. Le concombre est une source naturelle de magnésium, de fibres, de potassium, trois composants qui participent à la réduction de la tension artérielle. Consommé avec sa peau, il apporte également de la pyrosidase à l'organisme, une protéine qui réduirait le cholestérol ainsi que les triglycérides. Il diminuerait donc le risque de maladies cardiovasculaires, mes chéris. C'est un allié minceur, oh my god. Composé de plus de 95% d'eau, le concombre est un fruit rafraîchissant, ayant une très faible valeur calorique. Il présente également un indice de satiété élevé. C'est un coupe-faim naturel, mes chéris, et constitue un véritable atout pour les personnes qui surveillent leur ligne. Selon les chercheurs japonais, son index masticatoire élevé favoriserait de plus le déstockage des graisses abdominales. Idéal pour ceux qui veulent perdre du ventre et qui ne savent pas quoi faire. Likez cette vidéo au maximum afin que je revienne avec la suite de cette vidéo. Si vous aimez prendre soin de votre santé au 100% naturel, vous aimez les astuces de grande paix, les astuces de grand-mère, les astuces maison, les astuces beauté, les astuces de vie, de cuisine, tout ce qui peut concerner votre bien-être en général se trouve ici même au cœur du bien-être. N'hésitez pas de vous abonner mes chéris et surtout d'activer votre cloche pour ne rien manquer. Comme posologie, vous avez deux méthodes. La première des méthodes, soit vous passez toute la journée à consommer de l'eau au concombre, exactement comme ce que vous m'avez vu faire dans la vidéo, et le soir, vous mangez le contenu qui va en rester. Ou bien, le matin au réveil, à jeûne, vous mangez un concombre entier et pareil au soir, au coucher, pour vraiment bénéficier de tous ces bienfaits. Prenez soin de vous, mes chéris. On se prend demain dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.